frigo. Alors, on va tester un truc. Moi, je vais faire mes pâtes à la carbo ce jeudi. Et là, jeudi prochain, ou jeudi dans longtemps, et ben, ce sera Lohan qui fera ses pâtes à la carbo. Et on verra lequel des deux a la meilleure recette. Je fais le juge. Attends. Il fait le juge, Caro. Ça, c'est le logo. Voilà. Alors là, je suis en train de revenir des oignons. Après, je vais mettre... Faire revenir. Bon, faire revenir, tu les tournes quoi. Après, je vais mettre des lardons, je vais les faire cuire aussi. Et après, je mets mon astuce, un peu de vinaigre. Et après, je mets la crème fraîche et ça me fait la pâte à la carbo. Voilà. C'est pas des vraies pâtes à la carbo, ok. Je suis pas italienne, normalement la crème fraîche, il y en a pas, on s'en fout. Il y en a qui vont être blessés. Hein. T'as quelque chose à dire? Non. T'as quelque chose à dire? Oui, bien sûr. Ouais. Et toi, Caro, t'as quelque chose à dire? Que le meilleur gagne. Et toi, Loane, mais t'es où? Bon, voilà. Voilà. Et voilà le résultat. Voilà. Ouais, je suis fatiguée, hein. Alors, mon chef-d'œuvre. Tada! Alors, présentation, c'est comment? Bah, ça ressemble à des pâtes. Ouais. On va goûter maintenant. Ouais. C'est parti. Ah, vous êtes plus concentrés sur le film que sur ma bouffe. D'accord, je le prends bien. Vas-y, goûtez. Ah, eh oui, vous êtes filmé en train de goûter. Bon, c'est pas le meilleur cadrage, mais on s'en fout. Ah non, c'est pas possible. Merde. Ah, mais tant pis, t'es pris en flaque. Elle est prise en flag, voilà. On pourra dire que Lohan mange très bien. C'est la pâte qui s'est collée, ok. Ouais. Alors c'est bon, mais il manque un peu de sel. Mais c'est pas ça, c'est pas. Moi, c'est que ça ressemble pas, mais pas de carbo. Excuse-moi. Ça va pas du tout. Excuse-moi. Mais justement, c'est ça le concept de la vidéo. Et toi, Caro, c'est toi la principale? Bah, c'est bon. Après, j'en ai pas goûté 10 milliards dans ma vie pour pouvoir comparer. Et tu compareras avec les miennes. Eh oh! C'est juste, bah, genre, moi je rajouterais un peu de sel, mais genre, sinon ça va. Genre, voilà, genre, c'est bon. Il fallait saler les papates. Ouais. On a oublié de saler les pâtes pour ça. Tu as oublié. J'ai oublié, mais j'étais fatiguée. Ouais! Vas-y, raconte-nous ta recette. Alors, ma recette est à base de pâtes, premièrement. Bravo, super. Ensuite, il y a des lardons, voilà, wow. Le petit côté viandard. Et, oula, voilà, les beaux lardons. Waouh. On va allumer. Ouais, vous pouvez peut-être allumer. Hop. Ouais. Ensuite... Qu'est-ce que je mets? Je mets du parmesan pour le côté italien. Voilà. Mais elle a acheté de la crème fraîche. Hein. Oui, pas dire, oui, parce que sinon, il n'y a pas assez de sauce. Ok. Ouais. Moi, j'aime quand il y a de la sauce. Donc, crème fraîche. On va se mettre comme ça. Et, et avec deux petits jaunes d'œufs. Parce que les jaunes d'œufs, voilà. C'est goûtu. Et, c'est pas la même recette que moi. Hein. Non. Là, je peux te dire non. Et c'est tout. Après, bah, on sale, on poivre. Mmh. Je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Ah, bon. Il n'y a pas de là, il n'y a pas de oignon. Il n'y a pas d'oignon. Il n'y a pas d'oignon dans ma salle. Il n'y a pas d'oignon. Tu es déçue? Bah, j'aime bien les oignons. Moi aussi. Tu sales les pâtes, toi? Alors, je sale l'eau, oui, parce qu'on doit faire bouillir dans de l'eau salée. Ok. Tant mieux. Je t'apprends des choses. Ouais. Vas-y, mets-moi la ruche, s'il te plaît. Ah! Verser
les pâtes dans l'eau bouillante salée. Bon, d'accord, peut-être que je ne sale jamais mes pâtes. Oui, alors, ça fait quoi? Ça fait rien. Wow. Ils vont revenir les lardons. Il faut les faire tourner doucement, mijoter. C'est du travail de pro, ça. Okay. On voit l'expertise. C'est-à-dire que moi, je suis pas expertise. Caro, encore être fois, tu vas encore une fois être notre expert. Je vais tester. Je vais juger. J'espère que je n'aurai pas de toxication alimentaire. Non, mais je fais confiance en l'eau. J'ai confiance en Lolo. Non. Et pas en moi. Bah, en vrai, il n'y a que toi qui as eu une intoxication. Hein. C'est vrai. Bon. Voilà. Tu connais même pas la recette. Pourquoi tu ne sais pas la recette? Je la connais, hein. Bah alors pourquoi je regarde juste l'ordre des ingrédients. Ça change quelque chose, l'ordre des ingrédients? Ben ouais. Ah bon? Quoi? Très important. Parce que. Bon, là tu mets la crème fraîche, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Pour faire une bonne sauce onctueuse. Waouh. D'accord. Ok. Tu mets deux pots entiers? Et l'autre, il était bien entamé. Tu mets le pot entier? Ouais, ça va faire une bonne sauce là. Le pot entier là? Oui, le pot entier. Eh bien, on va bien grossir, hein? Mais non. Vas-y. Mais non. Un peu. Mais non, c'est du laitage. Ça se voit, on vient du sud, hein? Pourquoi c'est liquide là? Parce que. Ah, d'accord. Tu mets tout le parmesan, je suppose? Je sais pas. On va tout mettre. C'est sûr. Ben ça dépend de vous. C'est bien le parmesan ou pas? Oui. T'aimes le parmesan? Ouais, ça va. T'aimes le parmesan? Ben oui. Ben voilà, mets tout, hein, écoute. Toute personne qui se respecte aime le parmesan. Ah, ça osse. Dommage, je ne vous sentais pas, mais ça sent trop, trop bon. Merci. On, wow. On va voir si c'est bon. Hein. Wow. Cuisinière. On va voir ce que ça donne. Du coup, on va goûter les pâtes. Ouais, c'est parti. Bon, on va faire comme ça. Ah, ça fait mal aux mains. Je garde ça pour demain. C'est la fin des haricots, hein. Et c'est le message, je le passe pour moi également. Quand je parle, c'est pour tous les deux. Alors, ah, c'est bon. Ah, c'est bon. On est deux dans la même barque. Donc en fait, si à un moment donné, tu vas pour me pousser à l'eau, que je tombe, après... C'est bon. Mais il me manque mes lardons. Et toi, Caro? C'est bon. Par contre, je pense, tu vois, s'il y avait des oignons, c'est encore mieux. En vrai, on fait un mix de nos deux sauces, ça passe. Ça passe. Là, genre, le goût, enfin, après, genre, c'est le but, mais genre, le goût. Genre, je suis moins fromage, du coup, s'il y avait des oignons, ça, pour moi, ça passerait. En fait, ça dépend des goûts de chacun. On fait un mix des deux. Ça te va? Allez. Ben, chaud. On va voir ce soir. T'es contente? T'es contente? Ouais. Voilà. En plus, il a l'air chaud.